Certains cas judiciaires sont parfois compliqués à traiter. À notre époque, comme dans les siècles précédents, quand commence la légitime défense? Peut-on pardonner la vengeance? Etc. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Béatrice Cenci, jeune femme de la fin du XVIe siècle, forcée de tuer son père pour survivre. On est parti! Si vous êtes déjà allé à Rome aux alentours du 11 septembre, vous avez peut-être déjà aperçu la silhouette fantomatique d'une jeune fille apparaissant près de l'église San Pietro et se dirigeant vers le château Saint-Ange. Il s'agit d'une légende que l'on raconte dans la ville éternelle pour se souvenir de cette tragique histoire, une des plus dramatiques de l'histoire de Rome. Notre récit commence le 12 février 1577 avec la naissance de Béatrice Cenci, dans le château de la Rocca, situé à Petrella Salto, à quelques kilomètres de Rome. Je précise que nous sommes dans une famille aristocratique. Le père, Francesco Cenci, alors âgé de 40 ans, est un riche propriétaire terrien, connu pour son caractère violent et sa conduite amorale. Il est détesté de tous. C'est fort quand même. Personne ne l'aime. Vous allez rapidement voir qu'il y a des raisons à cela. Après la mort de sa femme, Francesco confie l'éducation de ses deux filles, Antonina et Béatrice, à un couvent, et épouse une veuve du nom de Lucrezia Petroni. Son attitude le fâche avec la papauté, et il se retrouve même confronté à la justice. Il est en effet impliqué dans un scandale concernant un domestique mineur. Francesco est accusé d'avoir pratiqué le vice coupable. Il lui faudra soudoyer les juges pour éviter le bûcher. La famille quitte la campagne et se fait construire un superbe palais aux abords du ghetto juif de Rome. Deux des fils intègrent la milice papale et Francesco espère ainsi se faire pardonner. Tout pourrait donc se passer pour le mieux, mais ce père est un monstre. Il maltraite ses serviteurs, ses enfants, viole son épouse et sa fille Béatrice. Béatrice fait preuve d'un énorme courage en allant dénoncer son père. Mais le problème, c'est qu'elle n'a que 18 ans et que son géniteur est un aristocrate. Il est convoqué par les autorités, mais ne passe que quelques jours en prison avant de retourner auprès de sa famille où il redouble de violence. Francesco a eu peur de se faire choper et décide d'enfermer sa famille dans son château de campagne. Là, il pourra laisser libre cours à ses pulsions sans avoir peur des autorités romaines. Sauf que sa famille ne peut plus supporter ses violences. Lucrezia, sa deuxième femme, Béatrice et deux de ses fils, Giacomo et Bernardo, décident d'assassiner Francesco Cenci. Une personne extérieure va tenter de les aider, Olympio Calvetti, amoureux de Béatrice, mais qui se voit interdit de la fréquenter par ce tyran de père. Il profite d'une visite au château pour tenter d'empoisonner sa cible. Cela réussit à moitié. Francesco s'évanouit et ce sont Lucrezia et Béatrice qui le tuent en le frappant à la tête avec une masse. Les garçons vont ensuite jeter son corps par la fenêtre pour faire croire un accident. La manœuvre est un peu grossière et personne ne les croit. L'amant de Béatrice sera arrêté et torturé à mort puisqu'il ne va rien avouer. Un vrai bonhomme. La famille sera ensuite interrogée et les autorités vont alors découvrir la vérité. Ils seront tous condamnés à mort, à l'exception de Bernardo, jugé trop jeune. Il va néanmoins être obligé d'assister à l'exécution de sa famille et finir ses jours en prison. Lorsque l'annonce de la condamnation à mort est rendue publique, le peuple de Rome descend dans la rue. Toute la ville connaissait la personnalité de Francesco, et la décision du tribunal est perçue comme un abus d'autorité. Le soulèvement populaire sera si violent que les forces papales seront forcées d'intervenir. Le tribunal devra même accorder un report de l'exécution pour calmer la foule. Tout le monde espère que le pape accordera sa grâce, mais celui-ci souhaite s'emparer de l'immense fortune des Cenci et ne fait pas preuve de clémence. Le 11 septembre 1599, Giacomo sera dépecé avec des tenailles chauffées à blanc et ses membres exposés au public. Tout ça devant les yeux de son petit frère, on le rappelle. Béatrice et Lucrezia seront, elles, décapitées. Le cadavre de Béatrice sera enseveli dans la cathédrale San Pietro sans aucune pierre tombale à son nom. Depuis,
Elle est vénérée comme une sainte laïque et sa sépulture est devenue un lieu de pèlerinage. La mort de Beatrice Cenci a marqué l'histoire de Rome. Elle a inspiré de nombreux peintres et écrivains, notamment français, comme Stendhal, Alexandre Dumas ou Antonin Artaud. On est d'accord, c'est pas l'histoire la plus joyeuse qu'on vous ait racontée. On espère quand même qu'elle vous aura plu. C'est là-dessus qu'on va se quitter, mais avant, petit rappel. On sait qu'on insiste beaucoup dessus, mais c'est très important pour nous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des j'aime, des commentaires, ça nous fait monter dans les recommandations. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. On remarque que vous êtes nombreux à ne pas le faire. Soutenez-nous, s'il vous plaît. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine!